Bonjour, Presidente, di les Egudi, signore e signori consiglieri esecutivi, signore e signori consiglieri all'Assemblea di Corsica, cari tutti e cari tutte. Oggi siamo in presenza, come l'ha detto prima, di una classe di un liceo agricolo di Uorgu, che di poi ieri, l'abbiamo deciso in commissione permanente, è stata chiamata Campus Corsica. Corsica Gri Borgo Marana, giovanotte e giovanotti che hanno da seguire la nostra sessione di boi e tribune. E ci va già sai viaggi di sicuro da coglievi e benerà di aberevi obu. Vous avez fait le choix d'une filière noble, très belle, qui va vous lier à la terre, bien évidemment. Et puis, vous l'avez entendu tout à l'heure, il y a un réchauffement climatique, des questions de dépendance alimentaire qui se posent, et je pense que vous allez faire des carrières, et je vous souhaite de faire des carrières magnifiques dans ces domaines-là. Je tiens à saluer également la promotion des administrateurs territoriaux stagiaires de l'INET, l'Institut National des Études Territoriales, qui sont à la collectivité, qui nous écoutent et qui suivront donc nos débats. Il s'agit de la promotion Gisèle Halimi, tout un symbole. Alors, à la session, on est à peine en Tijibad, in un mese, postuli simu IGC, Dijo, tout Digeno, et diga d'Azabeda, Azabeda ou Zoujetu importante et technique, ou que au budget tout supplémentaire, di au 2021. Odie, et un coup de biou technique, et force un coup de biou puli, digu. Che l'ultime volta, che come ognuno sa, la collettività è stata condannata a pagare 88 milioni di euro per l'affare di ADSP marittima dell'anno 2004-2010. Ognuno saprà di noi che l'esecutivo ha fatto la scelta di mica scrivere questa spesa al budget. L'attribuzione di questa DSP ha été jugée illegale. Il n'est pas question aujourd'hui de le nier. Oui, il y a eu faute. Mais qui l'a commise? Pas l'État, selon l'avis rendu par la justice. État qui pourtant n'a visiblement pas exercé le contrôle de l'égalité qui s'imposait. État qui, à l'époque, créait des distorsions de concurrence en faisant suréquiper la SNCM, État qui ne notifiait pas la DSP à la Commission européenne. C'est aussi l'État qui a inspiré et voulu le service complémentaire pour financer la commande d'un navire et faire travailler ainsi les chantiers navals de Saint-Nazaire, pour acheter la paix sociale sur le port de Marseille, pour maintenir artificiellement la SNCM, dont il était actionnaire principal. Alors j'ai relu hier avec attention les paroles que vous avez prononcées à l'annonce de cette nouvelle dans les travées de cet hémicycle même, il y a quelque temps, j'entendais sur les bancs de la droite, je cite, « un lourd coup porté à la Corse ». De ce côté-ci, un coup illégitime, une décision inique. Et oui, c'est choquant de lire que la collectivité de Corse et donc les Corses sont coupables alors qu'ils ont été les victimes pendant des décennies d'un système de transport maritime mis en place par l'État, créateur d'une dépendance totale. Système que l'État a voulu protéger. Nous sommes choqués de voir que l'État a largement failli à son rôle en laissant cette DSP frauduleuse se mettre en place. Abasourdi aussi d'apprendre que la CDC, la collectivité de Corse, est à payer une dette envers l'opérateur privé de transport maritime lésé dans cette affaire qui est bien nébuleuse. J'ai lu aussi les interviews dans les heures récentes du président de l'exécutif et de certains d'entre vous, et je vous rejoins, cette dette n'est pas celle de la collectivité de Corse. Cette dette n'est pas celle des Corses. La responsabilité financière et morale de cette dette incombe à l'État. État coupable au mieux d'incompétence, au pire de connivence
et de malversations. Et je soutiens sans réserve la non-inscription au budget supplémentaire des 88 millions, bien plus d'ailleurs au moment où je vous parle, qui permettrait d'apurer cette dette, car reconnaître cette dette, c'est d'abord considérer nous-mêmes que nous sommes coupables et fautifs et que nous avons un devoir de remboursement. Alors, nous savons tous, et ces jeunes aussi qui m'écoutent et qui vont nous écouter aujourd'hui, nous savons tous ce qu'est une dette. C'est une relation de dépendance très forte, presque interpersonnelle, entre un créancier et un débiteur. Mais au-delà de la comptabilité, au-delà de la science budgétaire et des propositions de, je cite, « de paiement en quatre fois », non pas sans frais, mais avec frais en plus. Au-delà de ces éléments chiffrés que nous aurons à examiner tout à l'heure, permettez que j'apporte un élément nouveau à l'analyse de la manière dont l'État traite la Corse et les Corses, selon moi. Pour cela, je suis allée puiser dans un très bel article consacré à l'éthique de la dette et à de ses liens essentiels avec la faute et avec le devoir. C'est un article qui a été rédigé en 1997 par la philosophe Nathalie Sartou-Lajus. Elle dit « La dépendance du sujet débiteur à l'endroit d'une autorité extérieure suppose qu'il n'est pas en mesure de se donner la loi à lui-même. Qu'il n'est pas en mesure de se donner la loi à lui-même. » Ça signifie qu'il n'est pas capable de se gouverner, qu'il n'est pas responsable. Ainsi, l'État, en laissant exécuter cette délégation de services publics, a certes causé un préjudice à la Corsica Ferries. Puis, par un machiavélique truchement, cherche à nous faire porter collectivement le poids de la culpabilité dont découle mécaniquement le devoir de réparation. Ce qui ne manquera pas assurément de convaincre certains d'entre nous que nous, les Corses, serions incompétents dans la conduite des affaires publiques, puisque désormais débiteurs que nous sommes, nous ne serions pas en capacité de nous donner la loi à nous-mêmes. Enfin, et j'en termine, la philosophe poursuit « La dette remet en question le principe de suffisance du sujet, son autonomie. En nous transférant donc le poids de cette dette immense, équivalente à une année et demie de dotation pour nos communes, à 7 ans de recherche scientifique et de pédagogie à l'Université de Corse, et je pourrais multiplier les exemples d'équivalence de cette dette. En plus de se laver les mains de sa culpabilité, l'État remet en question nos aptitudes et notre autonomie. En tant qu'économiste, sachant combien les mécanismes de l'asservissement moral et de la dépendance économique se sont entretenus dans l'histoire des relations centre-périphérie des territoires insulaires. Je ne souhaiterais jamais que nous demandions l'aumône ou que nous sollicitions un douteux aménagement de dette pour régler nos éventuelles factures litigieuses. L'autonomie, la responsabilité, l'émancipation sont à ce prix. Mais dans le cas d'espèce, concernant la faute originelle à l'encontre de la Corsica Ferries, comme pour toutes les fautes qui s'en sont suivies, nous devons tout simplement demander à l'État qu'il paye ses propres dettes. Aringradiabi.